gagné, mais il a gagné quelque part. Comme j'ai dit, d'ailleurs... Tout le monde a gagné, mais il y a un champion, tu sais. C'est ça. J'ai dit à Denis Coderre l'an passé, quand le Carabin a gagné, j'ai dit, c'était pas le cas des remparts, mais non, j'ai dit, Denis, c'était mérité, votre affaire. À un moment donné, il y a un bout à gagner, nous autres, ça va donner une leçon, ça va nous faire du bien, parce qu'on manquait d'intérêt. Mais j'ai pas dit ça pour les remparts, je t'en prie. J'ai passé une très, très belle journée. Premièrement, Eric et moi, on s'entend très bien. Rimouski, c'est quand même un peu, c'est pas l'étranger pour le gars de Québec. Surtout un gars du lac. Je veux remercier les organisations où on est allé. Je le dis souvent, pas d'organisation communautaire au Québec. Le Québec irait pas mal plus mal. C'est du monde qui font du bien à pas cher. Malheureusement, pour ça, le gouvernement n'a pas l'air à s'en apercevoir. Le gouvernement, le problème des élus, c'est qu'ils ne sont pas sur le terrain comme les autres. Les autres, les pauvres, on connaît les adresses d'une ville. On n'est pas sur un député qui connaît pas l'adresse des pauvres. T'sais. Alors, je veux leur dire à tout le monde là, de continuer à travailler, puis en tout cas, à notre niveau, nous autres, on reconnaît ce qu'ils font. Vous savez, je disais aujourd'hui, la misère à Rimouski et à Québec, elle est blanche, elle n'est pas de couleur. Elle est plus difficile à discerner qu'ailleurs. T'sais. Alors, puis d'autre part, ben, j'ai bien ri, mais j'étais bien content de présenter Michel Therrien à midi. On a beaucoup jasé, c'était un privilège. Parce qu'on avait jasé un peu hier, on l'avait rencontré à l'hôtel, puis tantôt il décolla plus, j'ai pu on était parti à jaser de la presse, entre autres, notre relation avec la presse, tous les deux. C'était bien intéressant. Il m'a donné des trucs en bas.